Faire coupe pour notre génération, déjà, je crois que la base, elle est un peu faussée, quoi, parce qu'aujourd'hui, on a ne serait-ce qu'en, comment dire, dans le relationnel, le quotidien, le couple de tous les jours, il existe de moins en moins, quoi. On est, moi, je vois, enfin, mes parents, c'est pas un bon exemple, mais en général, on a le souvenir de gens qui sont restés ensemble et qui ont fait couple toute une vie, qui sont d'une génération qui n'est même pas celle d'avant, celle d'encore avant. Tac, aujourd'hui, ça. C'est devenu un des mots de notre siècle, j'aurais envie de dire, voilà quoi. Moi j'ai plusieurs enfants avec plusieurs femmes, on n'a pas su tenir le couple, par exemple. Et je crois que je suis pas le seul, quoi. C'est vraiment un truc générationnel, quoi. Donc déjà ça, en premier lieu, quoi. C'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Faire couple dans la musique ? Bah dans la musique, ouais, j'ai un peu la même chose aussi. Je crois que j'ai évolué pendant plus de 20 ans avec Cool Chain, mais... Quand on a commencé, on était assez jeunes, quoi. On a grandi avec ce qui nous est arrivé. Donc, de fait, on a aussi grandi chacun de notre côté au travers de tout ça, quoi. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais c'est exactement comme ça que ça a eu lieu. Et donc, de fait, à un moment donné, quand on est arrivé, je crois, à maturité de notre vie d'homme, de notre musique et ainsi de suite, chacun a eu envie de faire sa vie. Donc, déjà là, il y avait quelque chose de formel quand on y était, mais. Pour moi, la séparation, c'est pas quelque chose de formel en musique, quoi. C'est quelque chose qui fait partie de l'évolution des gens, quoi. Hein, quoi. À un moment donné, quand on a commencé vachement tôt, les sensibilités se développent, chacun de son côté, le caractère aussi, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est faire toute une vie avec quelqu'un en musique, soit on est en couple, homme-femme ou autre, mais sinon, comme personne n'a voulu faire la femme, à mon avis, ça n'a pas marché, ça n'a pas été jusqu'au bout, quoi. Faire couple dans votre vie ? Dans ma vie. Mmh. Mais moi, de toute façon, je dirais pas couple, mais moi, je suis quelqu'un de très collectif, c'est-à-dire que je fonctionne vachement sur le collectif, donc pas forcément le couple, mais le nombre. Et là, je pense, moi, je suis sur plusieurs projets où je suis jamais tout seul, quoi. Mais pas en couple, je suis en groupe, on va dire. Mmh. Voilà, donc je fais groupe, je fais corps dans le groupe. Vous pensez que les couples, ça fonctionne pas ? Je dis pas que je... Non, heureusement, il y a toujours des exceptions, et heureusement, c'est ce qui fait le monde, quoi. Mais, mais après, moi, j'en ai une expérience un peu faussée, quoi, de par mon éducation, où j'ai grandi soit avec l'un, soit avec l'autre, Donc forcément, le ciment, on le connaît pas vraiment, quoi. On sait pas vraiment ce que c'est, quoi, où on n'a pas les aptitudes, parce que culturellement, il n'y a pas eu le... On a plus la projection, quoi. Mais sinon, ça doit exister quelque part, quoi. Il y a toujours des perles rares, quoi. C'est ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on n'est pas tous les mêmes, et qu'il y en a qui arrivent et d'autres pas. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous vient, là, du couple ? Est-ce qu'il y a un couple en musique qui vous plaît particulièrement ? Musique, non, mais une chanson, j'écoute beaucoup de chansons qui croonent ou qui parlent d'amour et ainsi de suite, ouais, comme ça, là. Ouais, peut-être que c'est peut-être hors sujet, je sais pas, je pense au bal perdu de Bourville. Voilà, un mec qui se déclare à une femme et ils sont peut-être un couple en devenir. Le bal perdu de Bourville. Ah, vous devriez connaître. Hein, j'ai pas pris mon nez rouge, là, aujourd'hui, je chante pas. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Cette expression, pour vous, elle est un peu d'une autre époque, quoi. Elle est un petit peu d'une autre époque, mais je pense que c'est parce que moi, mais je pense que d'autres y arrivent, quoi. Enfin, voilà, comme je le disais tout à l'heure, quoi. Il y a des exceptions partout, quoi. Donc voilà, je suis pas là pour les constater, mais j'ai des amis qui sont en couple depuis des années. On a bien un célèbre habilleur en ce moment qui fait des photos en couple depuis tant de temps et ainsi de suite, donc c'est que ça existe encore, quoi, même si la pub s'en sert, voilà, c'est que ça existe, quoi. C'est Couples, c'est une marque de vêtements qui est très connue et dont on voit les pubs un peu partout dans Paris, en Paris ou ailleurs. Vous le connaissez ? Non, je vous dis que c'est une marque de vêtements. Donc, et dont le leitmotiv publicitaire est, ils prennent deux personnes et disent, sont en couple depuis tant de temps, machin, ils font ça depuis quelques années déjà. Faut lever la tête, hein, quand on est dans la rue, c'est important. On peut peut-être rencontrer son conjoint, de fait. Voilà, on a fait le tour ou quoi ?